Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathando et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3. Dans l'épisode précédent, nous avions atteint la cité qui se trouve au sommet de l'épée de Bionis slash Mekonis, là je ne sais plus lequel des deux titans, mais c'est l'un des deux. Et je vous avais dit, après un épisode qui était assez intéressant en termes d'histoire, en termes de scénario, en termes de tout d'ailleurs, parce qu'on avait même eu un rapprochement de la découverte de qu'est-ce que c'est que la paternité et la maternité dans ce Xenoblade, puisque ils ne savent pas ce que c'est qu'un bébé, même s'ils connaissent les enfants, étant donné que Noah a été enfant et il s'en rappelle, donc c'est assez étrange, même Ethel, donc ils se connaissent enfants mais ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un bébé, ils ne savent pas ce que c'est que la notion de couple, d'amour, et on avait eu un petit rapprochement entre Noah et Mio qui étaient des plus intéressants, bien évidemment. On va avoir à changer la classe de Noah, qui avec son petit nopon sur la tête, fait qu'il a terminé cette classe de DPS, et on va peut-être, par souci de complémentarité avec la team, te remettre en DPS. Voilà, voilà. Et après, c'est à peu près tout, parce que du coup, dans les arts, il y a besoin de rien, il y a besoin de rien. T'as plus de déséquilibre. Là, il y a la chute. On va mettre la lame de l'infini, cela dit, mais chute, c'est pas trop mal. Et là, il n'y a pas de... Là, t'avais la chute aussi. Ah, on va mettre la chute ici. On va mettre ici la lame de l'infini. Parce que ici, je peux mettre... Là, il y a projection. Repoussement. Non, là, il y a projection. Donc chute plus projection, ce qui est pas mal. Et ensuite, ici, je peux mettre un déséquilibre. Non, c'est hébétude. Ah oui, c'est ça. C'est... Et non, du coup, si c'est éjection... Je sais plus, attendez. C'est ça. C'est déséquilibre. Chute, hébétude. Et du coup, si je mets hébétude, c'est pas bon. Donc c'est chute... C'est repoussement, ça. Projection. Non, bah du coup, faut inverser les deux. Projection, chute. Voilà qui est mieux. Et du coup, je peux pas te mettre le... Le déséquilibre. Ah si, voilà. Ah merde. C'est quoi le truc? Vous ne pouvez plus ajouter d'art lié au positionnement. Ah merde. Mais c'est quoi? Lié au positionnement? C'est-à-dire? Faut que je vire le repoussement peut-être. Ah, aux amis EBT, non c'est un peu con. Ah, cela dit, rend les attaques imparables, augmente de 20% les dégâts infligés. C'est pas mal ça. Parce que du coup, tu peux mettre le déséquilibre. Non, j'ai pas compris. Lié au positionnement. Accorde au lanceur un soutien. Recharge d'énergie quand un art touche l'ennemi. C'est unique. Lié au positionnement. C'est-à-dire que je peux pas mettre plus de ça. Pourquoi je peux pas mettre ça? Tu mets ça à la place? Non. Je peux le mettre à la place de la chute? Non plus. Avez-vous compris quelque chose? Ou c'est par rapport à tout le groupe? Je sais pas. Ça me paraît étrange. Enfin bref. Et j'avais dit dans le précédent épisode qu'on s'occuperait des quêtes, donc, en tout cas des missions de quêtes qu'il y avait sur la carte. Ici on a un événement de quête, ici on a un autre événement de quête, ici on a un autre événement de quête. J'aimerais du coup enlever, alors c'est comment je fais, filtre d'icône, on va tout mettre. Je peux me téléporter ici peut-être, microfabrique, page rapide à cet endroit, impossible pour l'instant. Ah. Okay. Ah, je peux pas m'y téléporter. Il faut du coup que je termine la quête. Bon, ben on va finir la quête alors. Il faut que je suive Shania alors. Je n'ai pas le choix. Je peux pas me barrer. En même temps, c'est logique. J'ai. Comment elle s'appelle, Monica Monica, c'est ça, Monica Van Damme. J'ai Monica avec nous et on peut pas la kidnapper comme ça.
Faudrait peut-être que je change. J'aurais pu changer le héros pour voir si ça marchait. Bon, on va continuer la quête principale, hein, tant pis. Tyone, Regarde, Tyone. Hmm. Elle It looks the ressemble same à as the celle one qu'on a before. déjà vue. Who are they? Qui sont-ils? The first Les premiers Ouroboros. Ouroboros. The founders, we On les call appelle them. les fondateurs. The first Les premiers Ouroboros. Ouroboros. That one. Celle-ci She looks ressemble a un peu bit à like Mimi. Mimi. En effet. Look at this. Et He's got celui-là, il a Noah's le même chin. menton que Noah. And the Et les others. autres? They don't look Ne like ressemblent à anyone. personne. Tell us about them. Parlez-nous d'eux. Le premier ressemblait un peu à Shulk. Long, long ago, Il y a très longtemps, les they gained the fondateurs ont power obtenu of le pouvoir des Ouroboros et ainsi pu riposter aux attaques de Mobius. Les habitants de la cité sont tous leurs descendants. Leur sang coule dans nos veines. La légende parle de deux reines, celle de Keeves et d'Agnes. C'est l'union de leurs pouvoirs qui a créé les Ouroboros. Les Ouroboros sont les seuls à pouvoir vaincre les Mobius. Mais il ne peut exister que 6 Ouroboros simultanément. C'est embêtant. Et c'est en activant la cage de la pierre que ceux qui en sont dignes deviennent des Ouroboros. Seulement 6. Pourquoi si peu? Ah, c'est pour ça qu'ils étaient tellement en colère. Mais regardez-moi ça, ils n'ont pas de charisme. Ça y est, ça fait tilt. 6 pierres, 6 personnes. C'est tout. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver celle que convoyait mon père. Pourtant, il n'y a eu qu'une seule pierre qui a activé les 6. Je crois que je commence à capter cette histoire de Ouroboros. Mais de quelle reine vous parlez? Pas des marionnettes qui vivent au château. Je parle des véritables reines. Ah, de véritables reines. Je savais bien que ce tas de ferraille sans âme n'avait rien d'une reine. Mais alors, notre reine aussi est factice? Nous essayons toujours de localiser les véritables reines. Elles doivent être en sommeil, quelque part. Pourquoi les cherchez-vous? À ton avis? Pour reprendre notre monde des mains des Mobius et rétablir l'ordre des choses. Elles nous seront d'une grande aide. Ok, donc les reines sont des aides. Attendez une minute. Ça fait pas des lustres que les Ouroboros ont été créés? Et vous dites que les reines sont en train de pioncer? C'est possible pour des humains de vivre aussi longtemps? Ça, j'avoue que je l'ignore. Mais qu'est-ce que vous savez au juste? Eh bien, d'après la légende, l'espérance de vie des deux reines est largement plus longue que la nôtre. Si c'est Mia et Melia, c'est logique, hein. Et vous espérez que c'est vrai? C'est pas comme si on avait le choix. Parce que le peuple de Melia y vit très très longtemps, et comme Mia c'est une lame, tout va bien. D'accord, et quand l'ordre du monde sera rétabli, que se passera-t-il? Vous avez vu la façon dont les gens vivent ici? Ça pourrait être comme ça partout. Des bébés, des enfants, des adultes, des vieillards. Le cycle naturel de la vie reprendrait son cours. Pour nous aussi? Alors? La vie ne devrait pas se résumer à combattre pour survivre. Nous pourrions enfin tisser l'histoire qui nous était destinée. N'abandonnez pas. 10 années? Vous avez droit, mais... Tout ça ne peut changer que d'une façon. Par la volonté des Ouroboros. Vous les mioches. Et personne d'autre. Cependant, cette idée ne plaît pas à tout le monde par ici. Vraiment? Les gens de tout à l'heure? Ils préfèrent vivre au jour le jour. Tant qu'ils peuvent se cacher ici et fermer les yeux sur la situation extérieure, ça leur convient. Mais bravo. Ils n'en ont rien carré de nos vies. S'ils ne peuvent ni vous voir ni vous entendre, vous n'existez tout simplement pas pour eux. Ouais, on refuse de voir les choses en face. Beaucoup de gens ici sont dans ce cas. Comme les Mobius, alors. Sa différence, c'est qu'ils n'en bénéficient pas directement. Vous comprenez vite. Je vois pourquoi mon père vous a choisi. Mais la volonté des fondateurs perdure en nous.
Le règne des Mobius est assez duré. Si nous continuons à libérer les jeunes comme vous, alors la vie pourra peut-être reprendre son cours naturel. C'est ce qui serait le mieux pour nous tous. Tout à fait. Je suis d'accord. Il faudrait une bande de tarés bons à enfermer pour en douter, après tout ce que vous nous avez montré. Je vous crois, moi aussi. J'envie beaucoup votre mode de vie. Tu me dis que tu vas crever, c'est logique. Cette chaleur, le cycle naturel de la vie. Non, mais en même temps, je peux les comprendre. Nous devons protéger ça. Parce que crever au bout de 10 ans, c'est un peu chiant. C'est tellement précieux. Je comprends bien que t'es les boules, hein. Mais c'est pas une part de facile d'être un Ouroboros aussi. Shania. Encore marché. Nous arrivons à notre but. On va vous conduire à vos quartiers. En tout cas, merci pour ton guide touristique. Niveau d'alerte Mobius. Le niveau d'alerte d'Agnus et Kiv ne forme désormais qu'un seul niveau d'alerte, celui des Mobius. Bon, j'ai toujours pas bien compris l'idée d'un tel niveau d'alerte. Mais pourquoi pas. J'aimerais aller voir ce qu'il y a là quand même. Hall de la mémoire. On peut se téléporter en plus. Pas des noms par hasard. On peut pas regarder plus que ça. Ah si, attendez. Hop. Est-ce que je reconnais l'emblème? Non. Ça ne ressemble à rien. Je me disais, est-ce que ça ressemblerait pas à... personnage des autres jeux? Non. Ça ne me dit strictement rien. Ça, on aurait dit un peu... Non, on dirait un peu Mia, mais... Nia, mais non. Enfin, franchement, elle ne serait pas comme ça. Lui, on dirait un peu Shulk. Mais juste un peu. On a déjà vu ce symbole? Je sais pas, ça me parle. C'est sur le jeu, non? C'est pas le symbole de Kibbs, justement? Je suis peut-être à côté de la plaque, hein, mais... Ah non, c'est lui qui ressemble à Shulk. De loin, viteuf. Bon, en fait, non. Là, en plus, ça donne ban, du coup, d'ailleurs. Je réalise. Mais comme il a canné, même man... Non, il a pas canné. Enfin bref, je dis de la merde, puisque de toute façon, c'est aucun des six. Puisque c'est juste moi qui essaye de les voir. Il va me falloir un peu de temps pour gérer tout ça. Tu l'as dit, ce n'est pas évident d'aller tout ça d'un coup. Parce qu'on sait pour sûr que Melia Antiqua existe dans ce monde. Et du coup, très probablement Nia. Maintenant, c'est où sont les autres? On sait que Rex et Shulk qui vont revenir à un moment donné dans le DLC au moins. Parce que vu les épées... Enfin, Shulk, pas forcément d'ailleurs. Mais Monado et l'épée de Pyra. Voilà, c'est ça qu'on sait. Chez les égarés, c'est ici que dorment les jeunes soldats. Mais c'est probablement dans le scénario principal du DLC. Hein, donc, enfin, supplémentaire du DLC. Donc. On verra bien. Chez les égarés, c'est ici que dorment les jeunes soldats, je l'ai déjà lu. Vous pouvez vous y installer pour toute la durée de votre séjour. Cet homme à l'entrée vous indiquera vos chambres. Salut. Par contre, il n'y a pas de cuisine ici. En général, les célibataires prennent leur repas à la table de Mishiba. Mais si vous préférez cuisiner vous-même, vous pouvez faire ça dans le coin là-bas. Très bien, merci Monica. Demain, nous discuterons à la suite de votre programme. D'accord, où devons-nous vous retrouver? Au poste de commandement. Vous le trouverez en descendant par l'ascenseur de la colline du prêteur, on est passé devant en venant. Je vous communiquerai l'heure exacte le moment de venue. Très bien, très bien. Ah, une dernière chose. Vous êtes libre d'explorer la cité comme il vous chante. Vraiment? Je vous l'ai déjà dit, nous ne vous voulons aucun mal. Vous préférez m'avoir dans votre dos à vous surveiller sans arrêt? Non, c'est très bien comme ça. Merci pour tout. Garde résidentielle. On va aller là, hein. Dortoir des égarés. À moins que je puisse me téléporter. Est-ce que le... Attendez. J'ai un repère pas loin ou pas?
Il y a un repère pas très loin, en effet. Point d'intérêt. Il y a plein de points d'intérêt. J'ai un repère pas très loin. Est-ce que... Ah bah là, il y a une quête aussi. La question, c'est est-ce que je peux me téléporter maintenant? Ok, je peux me téléporter. Est-ce que le point d'intérêt, c'est pas juste la caravane? Ah. Me serais-je fait douiller? C'est possible. Ah non, là. La fripe open for miss, remplie de radis pailletés tout près mûr pour Coyette. Pas bon, pas bonne nouvelle, trop de radis veut dire article pas rare, peut pas faire bénéfice. Yes. Toi, fripe open. Salut Tapon, gentil client fripe open à petit service à demander en échange grosse récompense. Intéressé? Quel genre de service? Service tout petit petit, fripe open voudrait vous faire recensement noponique. C'est-à-dire, caravane de Fripopone et pas seulement caravane d'Opone au monde. Fripopone a tout plein de confrères partout, alors essaie de tenir un registre officiel pour appeler de confrères en question. T'es une voyageuse, tu devrais pouvoir le mettre à jour au fur et à mesure, non? Fripopone aimerait bien, mais faire poireau pour mettre pot. Mais fais poireau pour mettre pot. Alors Fripopone, coincé ici. Si elle répond d'accord, faveur simplissime. Allez parler aux marchands d'Opone comme Fripopone que vous croisez. C'est jouable. Fripopone, c'est Camipon capable. C'est un peu bizarre de demander ça à des types que tu viens de rencontrer, mais on n'a plus à sa porte. Et 19 caravanes en tout. Quoi, tant que ça? Un Mipon rencontreront Rimambel de nos ponts qui aideront à Mipon comme Fripopone et bref. Si un Mipon parle de Fripopone à autre nos ponts, recevront pierre comme ça, quand nos ponts tous donnent pierre à leur revenir. Une pierre jaune? Pas que jaune, mais aussi rouge et bleu, Fripopone veut qu'un Mipon les ramène toutes. De toute façon, la mission rallonge. Merci d'avance par gentillesse, un Mipon rend gentil. Au grand service, ça n'a pas d'embêtasse. Très bien, on accepte à condition que tu ne sois pas pressé. Oui, on peut toujours garder l'œil ouvert. Pim 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 pim. I see some relations have changed. Je crois que Tyone a tout résumé, hein. Mais du coup, c'était pas ce que je voulais. Avons-nous un autre point d'intérêt? Il y a un autre point d'intérêt ici. Il y avait plein de mines d'éther. C'est hyper grand. J'aimerais bien retourner à la colonie 4. Elle ouvre la colonie 4. C'est elle, non? Non. Là, je rapide, stèle de Kramos. Elle est pas du tout là. C'est pas du tout la colonie 4, ça. Bon, on va aller voir là. Je vais me rappeler où c'est. Ah oui, d'accord. C'est au tout début du jeu, ça. Bon, ça change, hein. On retourne dans ce décor rouge. On va observer un peu. Est-ce que ça serait pas là qu'il est justement l'endroit où il y a Tyone, là. Je vais vous parler. Je sais plus dans quel épisode, mais niveau 8. Boob. Bah là, il y a un point d'interrogation, je sais pas d'où ça sort. Look. Regardez. Ah. Oh, Mimi, c'est Kairi de la colonie Gamma. Quoi? Une amie à vous? Oui, mais les explications devront attendre. Très bien, allons l'aider. Et eh bien voilà, c'est un héros plus que le pouvoir. Il semblait pas du tout à la personne qu'on a vue. Palalalala. Niveau 25. Lol. Je veux dire, on est d'accord que... C'est pas du tout en rapport avec le niveau, mais... Là, mais je prends cher, en fait. J'ai pris la max. C'est scandaleux. En fait, il faut croire que non. C'est juste qu'on les éclate. Unison Strike! Ta la 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 la.
Ok, il n'a pas eu le temps de taper. Il était mort. Ah non, il était où? Hop. Il n'y a pas de déséquilibre là. T'as vu, j'ai peut-être pas besoin. Non, pas besoin. Ça va? Tu n'es pas blessé? Mi. Kairi? Mio! Saine et sauve. Merci de m'avoir sauvé. Je suis si heureuse que tu sois encore en vie. Oui, oui, pas besoin de s'emballer. Ah, oh, désolé, je me calme. Respire. Qu'est-ce que tu fais ici, Kairi? La colonie Gamma est. Oh, eh bien, à vrai dire. Tu as encore perdu ton unité, c'est ça? Je suis désolé, c'est juste que je n'ai pas le sens de l'orientation. Toujours la même, Kairi. Elle a l'air spéciale, non? Spéciale ou bien relou? Tout est question de point de vue, je suppose. Et donc, Mio, ces gens? Ce sont mes amis, ne t'inquiète pas. Ils m'ont aidé à te sauver. Ah, c'est vrai ça. Merci encore, Mio. Comment ça, merci, Mio? Et nous, on est quoi? Du steak d'Arma? Laisse tomber, c'est du Kairi tout craché. Dépêchons-nous de rentrer à la colonie, Mio. Je parie que le commandant sera bien content de te voir lui aussi. Alors, à ce sujet, je peux te poser une question? Bien sûr, dis-moi. Ça va sûrement te paraître étrange, mais est-ce que tu remarques quelque chose de particulier quand tu nous regardes? Ah. Quand je vous regarde, eh bien... Ah, je sais. Eh bien... Non, franchement, ça ne va pas du tout. Tu ne peux pas changer de tenue n'importe comment, c'est contraire au règlement. Mais en même temps, ça te va tellement bien. Enfin, ta tenue de passeuse d'âme, t'allais déjà comme un gant, mais là... Merci Kairi, c'est tout ce que je voulais savoir. Contente d'avoir pu t'aider. On a discuté de quelque chose avec les autres. Tu veux bien nous attendre un petit instant? Pas de problème. Elle a l'air tout à fait normale, pas d'iris rouge en tout cas. Ok, donc en fait, ça c'est censé se passer bien avant dans l'histoire, je pense. Genre quand on était niveau 25, juste la Kairi qu'on connaît. Ce qui veut dire que tout le monde ne nous voit pas comme des ennemis. Ne nous inquiétons pas pour autre mesure, pour l'instant, qu'allons-nous faire d'elle? C'est toute la question. J'aimerais la ramener à la colonie si c'est possible, mais justement, est-ce faisable? On ne peut pas l'abandonner ici toute seule, c'est trop dangereux. Elle va encore se perdre, c'est certain. Moi je veux bien, mais ça ne dérange pas de ramener les Kivziens à sa colonie. Commandant de la colonie Gamma nous écoutera peut-être. En tout cas, ce n'est pas son genre de capturer les gens sans sommation. On peut lui faire confiance. Davantage que consul, tu peux me croire. Si vous pensez tous les deux que cela en vaut la peine, alors donc le rencontrer. Merci. Si la fois que ce soit, je ferai tout mon possible pour vous protéger, je vous le promets. Bon, ne t'inquiète pas, on est plutôt bien. Merci d'avoir patienté, Kairi. Allons-y. C'est parti, Mio. Du coup, ça perd un peu de son sens, disons. Mais que voulez-vous? Comme ça, hein. Je suis censé partir par là-bas. Ah merde. Oh non. Bon, bah, rip, hein. Rip, l'Ether, hein. Rip, l'Ether. Il y a vraiment que dalle dans ce conteneur. Bonjour, toutou. Alors. Aïe. Fais trempette. Alors je réalise qu'on est le 13 octobre. Et que demain. Enfin vendredi du coup. Parce que là on est quand même le 13 octobre mais il est genre 1h du mat. Mais le 13 octobre, donc de 14, sort. Le DLC, que l'on ne fera pas évidemment, mais il sort quand même demain. C'est très joli ma foi ici. Hein. Je regrette un peu de ne pas avoir plus exploré. On explorera un peu plus, promis. De toute façon je suis en train de le faire là. Je rattrape l'exploration. On reprend pas le cours principal jusqu'à ce que je n'ai pas exploré ce qu'il me manque. On va refaire un petit retour aux sources dans notre road trip. On fera peut-être une alternance quand même, hein, mais là je suis en mode quête secondaire. Quête secondaire, pas déconner, mais
quête de héros. Voilà, voilà. Il y a un conteneur là-bas qui m'intrigue. A priori, lui, il va pas nous attaquer. Ah bah, je peux pas le prendre. Ok, c'est du sel, ça, ou quoi? Là, du sel. On va découvrir la colonie Gamma, je suppose, du coup. On l'a déjà découverte. Non, hein, on l'a pas découverte. Hein. Nope, nope, nope. Même le thème musical est très sympathique. C'est plaisir de revenir dans cette zone. Elle nous attaque, ok. Bon. Pourquoi pas, hein. Hop. Ah là là là. D'ailleurs, j'ai pas de héros, j'ai dit. Cela dit, je vais pas me faire chier en mettre un, on risque d'en avoir un très rapidement. Puisqu'on fait une quête de héros. Oui. Y'a pas un déséquilibre pour quelqu'un? Ah si, voilà. Chute. Ah, projection frontale, merde. Bah foutre alors. J'avais pas vu que c'était devant. Oui. Est-ce qu'on va péter le cadran vital? Sûrement, hein. Colonie Gamma, accès principal. Il faut que j'aille annoncer la nouvelle à tout le monde. Kairi, non. Attends, juste. Oui, tout le monde. Mio est de retour. Et Tyrion et Senna aussi. Rip pour la discrétion. Pop, 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 pop. Bienvenue. On se fait tellement de soucis pour toi, Mio. Il n'y a pas que Mio, mais bon. These guys. Good job sticking it out, t'es vraiment incroyable, Senna. We were pretty sure on était sûr que dead. T'étais morte. Fitz, why did you have to be so snarky? T'es vraiment obligé de te montrer désagréable comme ça. Je suis content que vous alliez bien. Vous tous. Mio. Mio. Ça faisait longtemps. Et qui sont donc tous ces gens? Des amis? Son ancienne colonie? C'est des larmes ou je rêve? Eh ben, ça alors. Lâche-moi, grenade. Ça, c'est le héros. Ah, voilà, maître. Commandant, c'est le héros qui va nous accompagner. Dis-moi, il ressemble à Lance. Ah non, pas du tout. Point du tout. Point du tout d'ailleurs. Mio, Mio, Senna, Tyon. Tyon. You're... Vous êtes. It's wonderful. C'est une joie de vous revoir. I'm truly sorry. Je suis sincèrement désolé. Commandant. On ne voulait pas. To... Les détails peuvent attendre. I'm sure you'd vous aimeriez certainement prendre un peu de repos. J'imagine que la route jusqu'ici n'a pas dû être facile. Am I right? Je me trompe? Yes. Si. Non, en effet, merci pour cette attention. Quant à nos visiteurs ici présents, nous pourrons faire les présentations plus tard. Bien. Bon, un commandant plutôt sympathique. Premier abord, en tout cas. J'ai pas trop le regard qu'il vient de nous faire, mais... Va-t-on casser le cadran vital? Je l'ai trouvé étrange, il était calme mais menaçant en même temps, exactement. Ah bon, tu trouves? Il nous a même pas posé de questions. Peut-être a-t-il déjà compris que nous ne sommes pas hostiles. En tout cas, personne ne nous a attaqué et ça c'est un progrès comparé à d'habitude. Mimi, tu veux qu'on fasse un tour dans la colonie une fois qu'on sera reposé? Bonne idée, je suis curieuse de voir comment se porte tout le monde. Et on pourra le faire visiter aux Kévésiens
pendant qu'on y est. Trop aimable. C'est vrai qu'on est là en touriste. J'aimerais aussi parler aux soldats. Il y a deux ou trois choses que j'aimerais vérifier. C'est donc ton ancienne colonie, Mio. Nous allons voir à quoi elle ressemble. Bon, on va aller à la cantine de la colonie Gamma. Ça, on va pouvoir interagir. Sauvegarder. S'arrêter là pour cet épisode, mais également avoir un point de téléportation. Donc merci à tous d'avoir regardé celui-ci. Avant de se quitter, j'aimerais vous dire, j'ai eu l'édition collector du jeu. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. De plus, vous en avez rien à faire, probablement. Mais je suis très content. En tout cas, j'ai pu la précommander. Je sais pas si je l'ai, hein, mais... J'ai pu la préco et c'était pas... C'était pas un périple facile. Mais bon... Au final, j'ai plus la préco, donc c'est cool. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et à la prochaine. Je ne pense pas que ce sera demain, malheureusement, puisque j'ai quand même l'impression que je ne vais pas pouvoir tourner les 7 épisodes cette semaine non plus. Je vais essayer. Mais il y en aura peut-être que 5, peut-être que 6. Je ne sais point. J'espère qu'il y en aura 7. Je vais faire en sorte d'en tourner un de plus, là encore. Parce que bah, j'ai quand même envie de jouer à Xenoblade Chronicles 3 et c'est fou. Ce sera des épisodes d'une demi-heure du coup, hein. Tant pis. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à demain peut-être, je l'espère. Sinon, après-demain. Ciao, ciao tout le monde.